sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, une pretty store. J'en avais déjà fait une, je vous mettrai le lien de ma vidéo par ici, si ça vous intéresse d'aller la voir. Mais en fait ça sera la même chose que la dernière fois. J'ai commandé des articles sur le site en lui-même et via AliExpress, car si vous me suivez, vous savez qu'on peut trouver certaines boutiques sur AliExpress et Born Pretty en fait partie. Pourquoi j'utilise aussi via AliExpress? Car les prix sont moins chers que sur leur propre site. Voilà. Et il y aura trois articles que je vous présenterai également, qui fait partie de mon premier partenariat chez eux, chez Born Pretty Store. Donc, je vais vous les montrer en détail tous les articles. Et puis par la suite, si vous me suivez, vous aurez les tests de ces produits. Donc je ferai une vidéo en général, une seule par article, voire deux suivant le nail art que j'aurais décidé de faire. Si ça vous intéresse de commander sur le site, vous avez grâce à mon code 10% de réduction sur votre commande. Donc je vous mettrai par ici le code à taper et voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai commencé déjà par les trois produits que j'ai eu en partenariat. Donc en fait j'avais un montant maxi à ne pas dépasser, il me semble que c'était 8 à 10 euros, 10 dollars, ça faisait 8 euros, un truc comme ça, je sais plus, enfin bon bref, ça me faisait 3 articles, 4 plutôt. Donc j'avais pris ce produit là, vous savez c'est le peel-off, il me semble que ça s'appelle peel-off, c'est oui, liquide peel-off, c'est marqué dessus, hein, voilà. J'en avais déjà acheté un chez AliExpress justement et j'avais envie de tester celle de Born Pretty, car AliExpress j'en suis à peu près contente, mais je trouve qu'il faut beaucoup mettre de matière pour pouvoir le retirer facilement. Donc je trouve pas ça très très rentable, enfin bon bref, même si ça coûte pas cher. Donc j'avais envie de tester un autre. Donc il se comporte comme ça. Ça ressemble beaucoup au flacon qu'ils ont pour le stamping en fait, hein. Vous allez les voir après, j'en ai commandé. Voilà, donc celui-là, je vous le ferai le test aussi. Ensuite, bien sûr, des plaques hein, pour changer. Donc celle-là, c'est BPL 029, c'est beaucoup de fleurs. Alors attendez, voilà, évitez les reflets. Donc vous voyez, plein de motifs à fleurs. Donc ça, je vous ferai une vidéo pour tester cette plaque uniquement. Ensuite, il y a une petite plaque ronde où vous avez en fait que des papillons. Donc vous avez des grands papillons et des tout petits papillons. Voilà. Et celle-là, c'est la BP34. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous inscris les prix par là. Et ensuite, j'avais commandé des studs, on va dire, de ce motif-là. Voilà. Donc, c'est des tout petits rectangles vides à l'intérieur. Voilà. Et j'avais vu ça sur une déco d'une fille que je suis aussi, qui n'est pas française, je crois qu'elle est anglaise, j'en sais rien. Bref, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle, par contre, c'est que du stamping. Et elle utilisait ça et je trouvais ça super sympa. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le tester. Alors après, je ne sais pas si elle l'a acheté chez Born Pretty, mais bon, j'ai vu que Born Pretty l'avait. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Du coup, je referai exactement son nail art et je vais utiliser ça. Et comme ça, vous le verrez ce que ça donne. Alors, j'étais un peu déçue parce que quand je l'ai reçu, le sachet avait dû être ouvert ou mal fermé, je ne sais pas, lors de la livraison. Et du coup, il y en avait qui étaient tombés, qui étaient collés par le scotch de l'emballage et tout. Donc, je ne sais plus combien il est censé en avoir dedans. 50 peut-être, un truc comme ça.
Et vu ce qu'il y avait là, ça m'étonnait qu'il y avait 5 ans. Donc je suis bon, ben c'est pas grave, d'un côté c'est un truc cadeau, on va pas non plus. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'avais rien dit, j'en ai reçu un autre tout seul dans une enveloppe. Donc je reçois une petite enveloppe, je sais pas, bizarre, mais les colis que j'attends d'AliExpress sont censés être plus gros qu'une toute petite enveloppe archi plate et tout. J'ai fait, c'est bon, j'ai reçu un truc vide. Et ben non, j'avais reçu ça. En plus, donc est-ce qu'ils se sont aperçus qu'il avait mal fermé? Je ne sais pas. Donc, bref, ils sont sérieux quand même. Et voilà. Et donc, du coup, c'est sûr que j'en ai 50. Donc, voilà pour les trois produits que j'ai achetés, enfin, que j'ai eu en partenariat. Ensuite, sur le site Bon Pretty Store, je me suis pris le petit tampon que l'on parle souvent en ce moment. Donc vous savez, c'est le tampon, le fameux tampon que on voit à travers. Voilà, voyez. Voilà. Donc il est très très souple, vraiment en silicone comme les autres. Donc comme ça, je vais pouvoir tester parce que c'est vrai que c'est plus pratique de voir son dessin à travers pour bien viser. Et comme j'ai la force de suivre les autres youtubeuses, de me renseigner et tout, ces tampons-là, c'est pas top de les nettoyer à chaque fois avec du dissolvant ou de l'acétone, ça les abîme. Donc, j'ai commandé avec l'espèce de rouleau, vous savez, qu'on peut trouver aussi pour enlever les poils qu'on peut avoir des animaux sur les vêtements. Voilà, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, une brosse à poils, enfin bon, bref. Et en fait, il sert aussi à enlever le reste de vernis que vous pouvez avoir sur votre tampon pour le nettoyer et ça évite de trop l'agresser. Voilà. Et forcément, avec le tampon, vous avez la petite raclette qui est vraiment top, top, top. Voilà ce que j'avais pris. Et donc, sur Banpati via AliExpress, j'ai commandé deux plaques encore. Hein. Alors, donc là, c'est dommage, j'avais pas la petite pochette, vous savez, qui donne pour le ranger, mais tant pis. Donc, cette plaque-là, avec des petites fleurs, ouais, des motifs. Voilà. Donc celle-là, c'est la BP17. Et une grande. Alors ça, c'est très dentelle, j'adore. Voilà. Et celle-là, c'est la BP L020. Donc ça, on fait des plaques encore à tester. Pour celles qui me suivent, vous savez que la dernière fois, lors d'un concours stamping, j'ai pété ma plaque. Donc, du coup, on peut les avoir à l'unité. Donc, vraiment pas cher. Il me semble que je les ai eues à 40 centimes le lot de deux. Plus celles que j'ai en rab avec l'autre tampon. Ça m'en fait trois. Donc, c'est cool. Et là, je viens de voir qu'ils ont sorti d'autres tampons. Donc, d'autres tampons. D'autres raclettes. Donc, à voir, à tester. Bien, bien. Et ensuite, bien sûr, je me suis pris plein d'autres vernis à stamper que vous voyez là. Voilà, j'en avais déjà acheté un. C'est noir, il me semble. Oui. Et je ne regarde pas dire de bêtises. Le noir et le bleu. Non, c'est le blanc. Le blanc que j'avais pris là. D'ailleurs, vous voyez, c'est vraiment le même que pour le peel-off. Hein. Faut pas se tromper, hein. Donc j'avais acheté le blanc, je voulais tester pour voir la qualité et ils sont vraiment géniaux, géniaux, géniaux. Donc je me suis dit, en avant, on va prendre une petite série de couleurs. Donc ils étaient vraiment moins chers sur AliExpress que sur leur site. C'est dommage, c'est dommage. Hein. Donc j'ai pris un rouge assez bordeaux. Hein. Vous le voyez assez rouge-rouge. Non, il est plutôt bordeaux. Ensuite, un mauve. Un joli mauve. Donc, pareil, un peu plus foncé que ce que vous voyez. Bon, un noir, hein, il en faut toujours. Et c'est des 15 ml tous. Un bleu.
un vert et un marron. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de tous les articles que j'ai achetés chez Brown Pretty Store. Et bien, je vais vous laisser là. Je vais enchaîner mes vidéos, les tests des produits. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton que vous avez en dessous, abonner. Ça me fera très plaisir que vous me rejoigniez. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook, j'ai mon blog où là, pour ceux qui aiment les photos d'ongles et tout, mais je vous mets de belles photos. Enfin, j'essaye de faire de belles photos. Je vous présente à chaque fois un vernis avant de vous présenter le nail art et vous savez quelle date en général je vais poser les vidéos. Voilà. Et vous avez aussi en détail tous les vernis que je teste. Vous avez un onglet Vernitech, vous avez un onglet Galerie Nail Art, comme ça vous pouvez retrouver plus facilement tous mes nail art. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre la page. Pareil pour les vernis, si vous recherchez une couleur particulière, bon, sachant que j'ai beaucoup de couleurs club, donc si vous voulez d'autres marques, ça va être dur. Voilà, et là, eh bien, on va tester les 4 produits que j'ai eu en partenariat. Et puis je vais tester aussi pour mon nail art que j'ai en tête. Donc, je vais tester le nouveau tampon, la petite brosse magique. Donc pas mal. Donc si ça vous intéresse, ben, continuez à me suivre. Et je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Bye!